dans Jean Trudel, il n'y avait aucune ouverture par là. There were no windows when Jean Trudel lived in this house on that side. Il n'y avait que juste cette petite fenêtre là et celle-là. There were just these two windows. Celle-là et puis la porte, naturellement. And of course the door. Alors ici, l'escalier n'existait pas. There was no staircase back then. Alors là, c'était la cheminée avec le four à pain. There was the fireplace with the oven for making bread here. Four à pain. Alors là, c'était une petite bûche, un petit appartement. Ça devait être pour mettre des où il élevait un cochon, certainement. Ah, they probably had the sow or the other pigs in back here. Ma mère, il mettait des poules couvées là. His mother put hens to raise their chicks. Okay. Yeah. Ma mère mettait des poules couvées. Là. Là, c'était alors, le four. The oven. Le four allait jusque là. The oven went from the door. Le four allait jusqu'ici. Et puis quand on a restauré la maison, on a rallongé ça. Ça qui n'existait pas. That. It wasn't part of the original house. Ça s'arrêtait là. It stopped right where his cane is. Vous avez grandi dans cette maison? Moi? Oui. Non, dans celle du haut. À la grande maison? Je suis né en haut. He grew up in the big house. Je suis né il y a longtemps. Oui, vous avez 90 ans, c'est ça? 97. He's 97 years old. So he was saying that it was a long time ago when he was a child in that house. Yeah. Oh, not that long ago. Mais c'est bien aimable à vous de nous permettre de troubler votre jour. On va monter en haut. Ah, he says we can go upstairs. Ooh, that looks scary. He says he's starting to get tired. Alors là, c'était le grenier. This was the attic. Le grenier venait juste ici, naturellement. Parce qu'on en a appliqué pour faire l'escalier. Oui. Merci, monsieur. Alors, on mettait du grain. Du temps de mes parents, on mettait du grain. They would put the crop. Alors, on montait. Cereal crop. Right. Attention à la poutre. On montait. Là, c'était pas une fenêtre, c'était une porte. It wasn't a window, it was a door to bring the grain in. C'était une porte, on montait par là avec une échelle. They went up on a ladder. Et on montait le grain ici. And they put the grain on the floor. Alors là, la fenêtre n'existait pas. There was no window on that side previously. It's recent. Ça, c'est d'origine. Of course, these beams are original. Original part of the old house. Alors naturellement, il n'y avait pas. C'était les tuiles qui étaient en dessus. Hein. C'était pas. Tiles. You would have been able to see the tiles, the underside of the tiles. C'était des tuiles. But now they've been covered. Yeah. Ouais. Qui occupe cette maison, monsieur? Ça, on l'avait mis quand on l'a restauré en 1977. On l'a mis en gîte. Ah oui. C'est un gîte rural. D'accord. Mais maintenant, on ne veut plus faire le gîte parce qu'on est trop vieux. Ma femme, elle ne peut plus faire. So he and his wife were the ones who ran the bed and breakfast. Right. Alors, il y a encore des Trudel qui viennent coucher là. Ah, there are Trudel family members who do come and they do spend the night here. Il y a, ne sais pas si vous avez connu Jacques Boucher, qui est. He wonders if you know qui joue de l'orgue. He plays the organ. Le grand musicien qui Jacques Boucher. Ah, the name is familiar. Il joue de l'orgue. Lui aussi. À Montréal. In Montreal. Je ne me rappelle plus de quelle église. He can't recall. Puis which il vient faire des
Des concerts? Des conférences, pas des conférences, mais des, il vient jouer dans toutes ces églises de France. Là. He comes and does the concerts il vient, all around il vient France. Tous les ans, parce que là. Every year. Et quand, lorsqu'il vient, ça fait plus de 20 ans qu'on le connaît, il vient, il couche ici. When he does come, he's quand il vient en France, il vient là. He comes here. C'est lui qui il s'occupe de vous. On s'en occupe même pas, nous. C'est lui qui est... Il est maître des lieux aussi. Il met des lieux. Même il nous invite à venir manger avec lui. C'est gentil. Il fait partie de votre famille? Non. He's not a member of the family. Non, mais Boucher, c'est un qui fait de la une famille qui est partie de Mortagne au Canada aussi. Mm. Les Bouchers. The Boucher family left the area, the Montagne. Les Bouchers. And went to Canada. Mais les Bouchers, il y en a une partie de plusieurs familles. Il y a des cousins, tout ça, des frères, etc. Various families, parce que des Trudel, il n'y en a qu'un seul qui est parti. There was only one Trudel who left. Alors tous les Trudel sont du Canada sont partis d'ici. Donc, aujourd'hui, les Trudel ici dans la région, ils sont nombreux ou très peu? Non, ils sont peu. There are very few Trudels en fait, il y en a quelques-uns. On connaît trois filles, nous. They know three daughters, three Trudel daughters. Et c'est tout? Il y a eu d'autres Trudel, mais on en a connu qui meuraient à Caen, d'autres. Some died in Caen and others elsewhere. On en connaît plus. They don't know any others. Yeah. Well, my Trudels got together with the Tremblays and created a lot more. So. Pour sa famille, lui, c'est un Trudel, ils sont mélangés avec les Tremblays au Canada. Avec les Tremblays, oui, mais il y en a beaucoup de Tremblays. Ben, ils sont partis d'ici, de randonnée. Oui. Mm-hmm. He says they left from randonnée. Right. Mm-hmm. Vous avez été à randonnée? Oui, il y a quelques minutes. Il y a une heure, nous y étions. Ah, bon? Oui. Donc on fait un pèlerinage sur les traces de ses ancêtres. Oui. Voilà. C'est bien. Donc vous êtes notre dernière halte. Et on était ravis de pouvoir voir cette maison. Ah bon? Oui. Nous vous remercions. Oui, est-ce que nous avons été par là? I told him we were delighted to he let us in and gave us a tour. Oh yeah. Oui, alors là c'était le poulailler. Mm-hmm. Alors c'était au-dessus du four. Uh-huh. Le poulailler, mais naturellement ça venait que jusqu'ici. It stopped here and it was a chicken coop. On a rallongé ça. The chickens would roost here. Ça s'arrêtait ici. Uh-huh. This part here was added on later in the 70s. Yeah. And so this was a chicken coop. Over the fireplace and the bread oven, which would keep them nice and warm. Yeah. Go ahead. I'll get that door. Okay. Wasn't the nursery room? There's the monument there in Quebec. Thank you. Vous remercie. Bon, allez.